rien à reprocher à Jeanne, mais... Comprenez-moi, je ne voudrais pas lui causer la moindre peine. Seulement, ça devient impossible. En aucun cas, la situation ne peut rester ce qu'elle est. Mais je ne veux pas lui faire du mal. Je veux changer de vie, c'est tout. Ce que vous voudriez, en quelque sorte, c'est vous endormir et que le lendemain, elle ait disparu dans la nature. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle m'aime encore beaucoup. J'en suis absolument persuadé, Martin. Et parler divorce serait lui porter un mauvais coup. Je ne veux surtout pas qu'elle puisse en souffrir. Et c'est là tout le problème. Vous êtes très généreux. Personne ne peut se montrer cruel. Je ne suis pas méchant. Vous croyez que moi, je pourrais l'être? Je suis sûr que non. Jamais je n'ai pensé à ça. Mais vous savez ce que je ferai? Non, et je ne veux pas le savoir. Mais il faut que nous en parlions, au contraire. Vous êtes avocat de grande réputation. Et vous savez toujours ce qu'il faut dire ou taire. Ce que vous dites est très clair. Je n'ai jamais commis jusqu'à présent de crime de ce genre, ni aucun crime, quoi qu'on ait cru. Et tout ce que j'ai fait, c'était d'être prudent. Un jour, dans ma vie, j'ai fait un faux pas et vous m'avez aidé. J'ai pu, grâce à vous, être reconnu innocent. Et j'ai du respect pour vous à cause de ça. Et je respecterai aussi l'arrangement convenu entre nous. Nous conviendrons du moment ensemble, lorsque vous serez bien décidé. Ne soyez pas inquiet, Charles. Sachez que je vous aiderai. Au revoir, Madame Houston. Oh, bonjour, madame. Salut. Oh, Madame Colombo. Salut, Monsieur Gérard. Ah, non, non, il faut prononcer. Oh, bonjour, Monsieur Gérard. Très bien, entrez, voulez-vous? Oui. Comment ça va? Ça boume pour l'instant. Ah, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Asseyez-vous sur ce siège. Sur ce siège. Sur ce siège. Alors, leçon numéro 3. Notre leçon de diction numéro 3. Leçon de diction numéro 3. Leçon numéro 3. Il importe de s'habituer à parler de façon naturelle, sans y penser, sans effort. Pour vous, à écouter, à écouter, à répéter. Ah bon, il faut que j'écoute tout ça? Non, on prononce clairement, toujours prononcer. Oh, je vais écouter. Très bien. Merci. Voyons, on va faire comme si vous deviez parler dans la vie quotidienne. Comme dans la vie quotidienne. En faisant les gestes. En prononçant, oui, très bien. Si je vous dis, ouvrez la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Très bien. Si je vous dis, versez-moi une tasse de café. Une tasse de café, oui. Si je vous dis, avec un peu de lait. Avec du lait. Si je vous dis pas de sucre. Oh, sans sucre. Si je vous dis, puis-je avoir du feu? Oh, voici du feu, monsieur. Très bien, asseyez-vous, madame. Non, 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 madame, il faut aussi répéter, allons. Monsieur Gérard, vous êtes gentil et j'adore suivre vos cours de maintien. Hélas, je suis debout depuis 5h30 ce matin. J'ai lavé mon linge, j'ai nettoyé la maison, j'ai écrit à mon cher mari et une fois la leçon finie, je vais au journal pour travailler, si toutefois c'est un travail. Pour cette raison très simple, je voudrais avoir le droit de m'asseoir sans avoir l'avance à dire un mot de passe, d'accord? Souriez. Je vous demande pardon. Souriez. 400 mots sur la fête des parents d'élèves. Faites ça pour moi, je joue dans la pièce. Je prends des cours de diction. Je parle aussi de l'équipe de foot. Je sais qu'on a perdu, d'accord, ça je le reconnais. Mais on l'a pas fait exprès. J'ai écrit 5 lignes sur le repas des vieux. J'ai pas parlé du conseil, j'ai eu un conflit avec le prof de danse de ma fille. Et j'ai perdu du temps à faire réparer ma machine à laver. Vous avez rien écrit sur cette machine à laver? J'y ai pas pensé. Ouais, tant mieux. Et vous aimez ce boulot? Oui, beaucoup. Moi je déteste. Qu'est-ce que vous y trouvez? Et du plaisir, puisque j'écris bien. Et moi, j'adore peigner la girafe, madame. Monsieur Alden, un peu avant d'être mariée, j'ai étudié le journalisme. J'ai même pratiqué. Je sais pas longtemps.
Et après, je suis devenue une ménagère. Je suis devenue une parfaite championne du travail ménager. Mais je tiens à conserver un peu de rêve, si vous me comprenez. Pas beaucoup. Un rêve de quelques minutes chaque jour qui ne soit à personne qu'à moi toute seule. 6 mois que je travaille pour vous et le résultat, je m'en sens transformée. L'impression d'être enfin utile. Je connais ça aussi. Mais ça me regarde. Est-ce que j'écris mal mes articles? On a dit 6 mois d'essai, Madame Colombo. Ah ben, et alors? Vous avez de l'ambition, non? Une personne comme vous doit forcément avoir de l'ambition. Comment pouvez-vous supporter ces travaux subalternes? Je les adore. Un vrai journal serait bien mieux. Mais c'est un journal, il me semble. Un vrai journal fait paraître tous les matins, pas toutes les semaines. Ça me suffit comme ça, Monsieur Aldren. Un vrai journal se vend partout contre de l'argent, pas seulement en banlieue pour des clopinettes. Dites ce que vous voulez, j'aime bien faire ça. Que voulez-vous que je dise? Que vous seriez mieux au New York Times? Ouais. Mais flatterie. J'adore être flattée. C'est bien torché. Bon, alors? Oh, c'est très correct pour quelqu'un qui a épousé un flic. Ça, c'est mieux. Mais dites-moi si ça va. Rappelez-vous qu'on commence à tourner le lundi après-midi et que la maison ne paie pas les coups de téléphone. Minimum 3000 mots sur le quartier où vous résidez. J'accepterai les meurtres et à la rigueur, je veux bien prendre les dernières fantaisies des parents d'élèves. L'annonceur hebdomadaire ne se contente pas d'annoncer, hélas, non, ce serait sans doute trop facile. Il lui faut aussi imprimer et gagner des sous. Je crois que vous venez de trouver une belle situation. J'en suis certaine. Vous êtes certaine? Ben, moi aussi. Allô? Monsieur du téléphone, vous m'entendez? Allô? Allô, est-ce que vous êtes toujours là? Allez-y, répondez. Je suis là, je vous reçois, madame. Roger, comme on dit dans l'aviation. Qu'est-ce que tu as, toi, ces derniers temps? Ça n'a pas l'air d'aller. Tu ne voudrais pas jouer les malades, par hasard? Allez, ne reste pas comme ça. Sors! Allez, va courir! Oh, quel paresseux tu fais, c'est honteux. Tous les postes sont installés, ça y est. Ça, c'est une chouette invention, alors. Ah, c'est pratique. Ça va me faire gagner un temps. Venez. Oh, fantastique. C'est presque un bureau que je vais avoir, en fait. Là, j'ai ma machine pour écrire mes articles. Je suis une vraie journaliste sur machine à laver. Le téléphone sonne. Passez-moi le téléphone, voulez-vous? Merci, monsieur. Je vous écoute, oui, monsieur. Ah, est-ce que Jenny peut venir jouer avec vous? Ah, mais j'appuie là-dessus. Jenny, chérie, c'est pour toi. 30 secondes de gagner. Pratique, non? Sensationnel. Merci. Jeanne. Charlie, tu es déjà rentrée? Que se passe-t-il donc? Comment il s'appelle déjà? Monsieur du téléphone, venez donc! Le juge a reporté l'affaire à 8h, c'est décourageant, tu sais. J'ai préféré rentrer à la maison. Très bien, tu pourras te reposer, chérie. Je m'apprêtais à prendre un bain. Mais je t'en prie, chérie, prends ton temps. Oh, ça porte un coup sérieux à l'intimité, ce truc-là. Qui est ce Charlie et qui est cette Jeanne? Ça fait ça tout le temps? Je crois que je sais ce que c'est, Madame Colombo. C'est que quelque part dans le voisinage, il y a un autre interphone, comme celui-ci, qui marche sur la même ligne. Et que celui-là est en utilisation. Quand on appuie sur cette touche, la voix va directement à la chambre de Jenny, en utilisant pour ça le circuit électrique existant. C'est un système très répandu. Mais et pourquoi entend-on aussi les voisins? Oh, c'est naturel. Ils sont reliés au même réseau, la même ligne les alimente, et leur voix arrive avec le courant, c'est tout. Alors si vous ne voulez pas les entendre, bien, c'est simple. Charlie! Bonjour. Tu as toujours l'air si triste. Tu crois? Je m'excuse, chérie. Tu t'excuses de quoi?
Oh, de ne plus être mince et attirante comme je l'étais avant. Tu es magnifique, je suis fatiguée, c'est tout. Oh, j'ai changé, je le sais. Je le sais, oui, mais je t'aime toujours. Même si je me doute que tu ne m'aimes plus. Enfin, plus comme avant, en tout cas. Est-ce que je te l'ai jamais dit? Tu as trop d'imagination. Je n'ai personne d'autre que toi. Tu es toute ma vie, tu sais, toute ma vie. Et quelquefois, quand tu es tellement silencieux, j'ai peur que tu envisages de m'abandonner et de divorcer. Mais jamais je n'ai songé à divorcer. Jamais. Oh, alors tu me rassures, j'étais inquiète. Tu sais, chérie, j'aimerais mieux être morte que de te perdre. Oh, enfin, voyons, je t'en prie, oublie ça. Je suis là, ne te fais pas de soucis. Oh oui, j'ai eu tort. Oh non, 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 non. Je t'assure, je suis dans ma nouvelle nuisette en dentelle. J'ai mon nouveau parfum sur moi et je cause dans mon nouveau téléphone. Non, il ne me manque rien, à part toi, lieutenant. Dis donc, tu n'avais qu'à rester ici, c'est la police qui t'a envoyé à Londres. Chérie, raconte-moi comment c'est. Oh, 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 je te vois d'ici. Si tu dois y retourner, je viens aussi. Oh, 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 ça ne fait rien, je ne roule jamais à droite, tu le sais, non? Tout de suite, Jason. Jenny, tu es là? Ton père au téléphone, descends vite. Je suis un petit ordinateur. Je ne suis pas Jenny, mais je descends. Oui, lieutenant, oui. Je prends soin de ta voiture, ne crains rien. Elle se fait vieille, semble-t-il. Ton chien aussi. Pour le reste, ça va. C'est Jenny. Oh, je te laisse à la femme de ta vie. Je t'embrasse. Est-ce que tu reviens de ces jours? Papa, maman et moi, on joue dans un spectacle à l'école. Pour l'association. Oui, on aura des chapeaux de paille et on dansera toutes les deux. Je porte le mien tout le temps. Et toi, tu portes quoi? T'as encore ton imper au lit? Comment ça, il fait jour à Londres? C'est le contraire de nous. Oh, encore une de tes histoires. Est-ce que tu reviens vite? Oui, maman aussi. Oh non, tu penses qu'elle porte son vieux jean? Au revoir, papa. Jeanne. À ce soir, chérie. Tu veux que je fasse ton petit déjeuner? Non, 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 reste couchée, chérie. Je prendrai un café avant l'audience. Passe une bonne journée. Je rentrerai de bonne heure. Toi aussi, mon chéri. Je vais chez le coiffeur. J'espère que tu aimeras. Mais j'en suis sûre. Au revoir. C'est l'heure, maman. Tu veux que je t'aide? Oh, non, c'est inutile. Bon sang. Eh ben, c'est mieux que les programmes de télévision. De quoi? Le roman de Charlie et Jeanne. Tu as pris ton déjeuner? Oui. Alors mettons-nous en route. Tu prends ça, hein? Et hop, le chien. Oh, quel poids il fait, celui-là! Oh, oh. Allez, en avant! Dépêche-toi! Ce sera ce soir. Ce soir. Thank you.
voulez entrer, c'est à vous. Viens. Vous dessinez? Non, non, je prends des notes pour écrire un petit article demain matin. Je parlerai des gens qui viennent chez le vétérinaire. Vraiment? Je savais pas que vous étiez dans ce métier. Dans quel journal est-ce que vous écrivez? L'annonceur du quartier. Ah. Je sais, oui, je sais. Eh bien. Bien. Alors, quel est notre petit problème? J'allais vous poser la question. Oui. Qu'est-ce qu'il ressent? Bah... Regardez le dos, il est inerte. Il n'a pas de ressort, il n'a plus goût à rien. Il doit faire une sorte de dépression. Une dépression. Dans son état normal, il est comment ce chien? Mais c'est qu'il est dans son état normal. Ah, je vois, oui. Debout. 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 Hop. Hop, allons. Hop. Hop, allons. Hop. C'est un animal d'une grande tristesse, Madame Colombo. Je crois qu'il faut me le laisser en observation quelques jours. Tu voudrais rester un peu chez le docteur, mon chéri, hein? Ça t'irait? Oh oui, il veut. À quoi avez-vous deviné qu'il voulait? Il a eu tout d'un coup une sorte de petite lueur dans l'œil. Ah, une lueur. Martin, elle arrive, faites attention. Ne vous faites pas de soucis, Charles. Tout se passera très délicatement. Ne lui faites pas de mal. Martin! Ne restez pas là, il est temps de vous en aller, Charles. Tu es à la maison. Chérie, on t'attend à la soirée. Appelle dès que tu rentres. On avait simplement oublié de remettre le petit bouchon sur la valve et 2 kilomètres après, j'étais sur la jante. Charlie, le steak de Jeanne, très cuit ou non? Elle aime à point. Je connais ses goûts. On avait pensé à tout sauf à cette saleté de valve. Messieurs, est-ce que je peux me permettre de dire que c'est la plus emmerdante des conversations que j'ai jamais entendues? Ah, mais je sais pourquoi, c'est parce que vous ne connaissez pas ma femme. Oh. Allô, oui, bonsoir. Il a fallu regonfler la chambre à air et j'en suis sorti exténué. Charlie, c'est votre femme. Elle dit qu'elle ne va pas tarder à venir. Ah, merci. Ce coup-là m'a guéri de faire du vélo. J'ai repris ma voiture. Calmons-nous, surtout ne criez pas. Faites ce que je vous dis. Exactement. Je ne vous ferai rien, je vous le jure. Je voudrais que vous retiriez tous vos vêtements. Oh, non. Pas question de ça. N'ayez pas peur. Je n'ai pas l'intention de vous toucher. Je vous le promets. Mais vous devez faire ce que je vous dis. Faites-moi confiance, Jeanne. Oh.
continuer? Je sais que vous êtes terrorisé. Je sais que vous ne tenez pas à ce que je regarde. Mais vous vous faites des idées, je vous assure. Je ne tiens pas du tout à vous causer du mal. Je n'ai aucune raison de le faire, sachez-le. Je vous en prie. Je veux que vous alliez dans la salle de bain maintenant. Allons, faites-le pour moi. Je ne vous demande rien de compliqué. Faites ce que je vous dis, Jeanne, et tout ira bien. N'ayez pas peur. Maintenant, vous allez entrer dans le bain. Ça doit être encore à la bonne température. Allons, n'ayez pas peur. Ce sera bientôt terminé. Alors, ça y est. Vous avez une jolie coiffure ce soir, Jeanne. Il faudra vous sécher les cheveux après le bain. Et ce truc-là vous aidera. Eh bien, tout a marché jusqu'à présent, vous voyez. Je ne voudrais pas avoir à renier ma promesse. Allez-y. Prenez-le. Prenez-le. Non, la chaise, la chaise, la chaise, essayez d'articuler. La chaise, je dis la chaise. Oh, je m'excuse, Madame Colombo, vous le dites très bien, c'est moi qui ne suis pas très en forme. Cher monsieur, sachez que je m'en étais déjà aperçue. Une de mes élèves est morte dans la soirée. J'en suis désolée. Madame Houston, vous la connaissiez? Je crois pas, non. Jeanne venait au cours juste avant vous. Une personne douce et gentille. Elle a eu un stupide accident. Électrocutée dans sa baignoire par un séchoir. Quelle mort ridicule. Je pense qu'en effet, je l'ai vue partir l'autre jour. Et son mari s'appelle Charles? Oui, Charles Houston. Il doit être avocat. Le pauvre, quel choc il a dû avoir. Il attendait sa femme une soirée chez des amis. Il l'a trouvée morte en rentrant chez lui. Jeanne et Charlie. Vous me parliez? Charlie. Elle prenait-elle son diction? Mais qui est Martin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Madame Colombo? Madame Colombo? Oui? Sergent Norris. Ah, entrez bon, sergent. La police d'habitude entre par la grande porte. J'ai essayé. Je crois que votre sonnette ne fonctionne plus. Ah oui, on sait sûrement l'aimant qui est encore collé. Vous y connaissez quelque chose, vous? Oh, ça, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Ici, c'est mon mari qui arrange tout ça, mais il est parti en congrès, il est à Londres. Vous le connaissez, le lieutenant Colombo? Colombo? Celui de la criminelle? Oui. Oh, vous pensez, si je le connais, sa réputation est venue jusqu'à nous. Je suis un policier de quartier, bureau des détectives. Le café, vous l'aimez comment? Noir et bien chaud. Merci, madame. Alors, cher monsieur, voulez-vous prendre un siège? Pardon? Je vous en prie. Ah, oui, merci. Vous nous avez appelé au sujet de madame Houston, je crois. Oui, je voulais vous parler de ce que j'ai entendu hier.
Ah, vous connaissez cette Madame Houston? Non, pas du tout. Sans doute son mari? Non, pas davantage. Mais vous étiez chez eux hier soir? Ah, non, non, j'étais ici. J'ignore où ils habitent, ces gens. Je vois. Vous les avez entendus parler hier soir? Ah, au téléphone. Non, non. J'ai entendu des voix qui venaient de leur maison, mais sans y être allé vraiment, Monsieur Norris. Par la petite boîte. Vous avez entendu des voix dans une petite boîte, c'est ça? Et oui, c'est ça exactement. J'ai entendu. Est-ce que Madame Houston était là? Et est-ce qu'elle vous a parlé avant ou alors après sa mort? Je suis très touchée par l'attention que vous accordez à mon récit, sergent. Je crois que nous en resterons là. Retournez à votre voiture. Oh, non, excusez-moi, Madame Colombo, non, je voulais pas être offensant. Oh non, rien d'offensant là-dedans. Le fait que vous essayiez de me prendre pour une pauvre idiote arriérée n'a rien en soi de très offensant, bien entendu. Pourquoi toutes ces questions ridicules? Non, bon, je vous prie de m'excuser. Je suis prêt à écouter votre version. Venez par ici. Ça, c'est un interphone. Et il y en a un autre là-haut dans la chambre de ma fille. Le fonctionnement n'est très simple. Il se fait par le canal du réseau électrique, voilà. On utilise les lignes existantes. Évidemment, pour quelqu'un qui ne sait pas réparer une sonnette, c'est du chinois. Non, mais j'ai saisi, j'ai tout compris. Et il y a dans le voisinage quelqu'un d'autre qui a un engin de ce modèle et qui marche aussi sur le réseau. Alors les voix se transmettent par la ligne et finissent par arriver chez moi. Ah oui. L'homme du téléphone vous confirmera que c'est exact. Et j'ai quelques renseignements sur ses voisins. Il y a le mari appelé Charlie. Il est avocat. Oui. Charlie Houston. Oui, c'est exact. Et il y a sa femme qui s'appelle Jeanne, qui prend des bains et des sons de diction. C'est incontestable. Je peux donner des preuves de tout ça. Elle a un enregistrement du professeur Girard. Je l'ai entendu. Ainsi que des voix. Le soir de son décès, j'ai même entendu couler le bain avant qu'elle arrive. J'ai entendu une voix d'homme à l'interphone. Il se nomme Martin. Oui, oh, ça, je sais, ça ne me regarde pas. C'est de l'indiscrétion. Mais il est raisonnable que la responsabilité des citoyens puisse trouver à s'exprimer en ces circonstances. Je serais très heureux d'entendre ces voix, moi aussi, Madame Colombo. Est-ce que je peux vous poser une question? Oh, mais oui, sergent. Chez les Houston, dont nous parlons, avez-vous idée de l'endroit où peut se trouver la petite boîte? Interphone, ça s'appelle. Oui, l'interphone. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où il est situé dans la maison des Houston? Eh bien, il y en a un dans la cuisine. Charlie prend son petit déjeuner. L'autre est dans une des chambres. La cuisine et une des chambres. Madame Colombo, est-ce que je peux vous demander de me suivre? Pourquoi? Mais c'est dans notre intérêt. Le vôtre ou le mien, sergent? Les deux. Cet homme-là, donc, ce Martin, aurait donc conseillé au mari de sortir juste avant l'entrée de Jeanne. Exact. Et le bain coulait déjà quand Charlie a dit « Attention, ne lui faites pas de mal, surtout. » Ne lui faites pas de mal, surtout. Il a dit ça à l'autre. C'est les mots exacts que vous avez entendus. Bon, faut-il que je recommence l'histoire? Non, non, non. Dites-moi, quels sont les premiers mots qui ont été dits... Par Martin? Non, ceux du mari. Martin? Non, ceux du mari. Le mari s'est d'abord adressé à Martin, sergent, et il lui a dit ceci. Martin, elle arrive, faites attention. 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 Ouais. Nous avons la clé. Martin, elle arrive, faites attention. Martin, elle arrive, faites attention. Il y a deux clés. C'est normal, il y a deux verrous. Madame? Pourquoi? S'il vous plaît, madame. Le living room. Ici.
Et ça, c'est la cuisine. Sauriez-vous dire où il est? Quoi? L'interphone, madame. À mon avis, il devrait être là. En tout cas, il y en a un au premier, allons voir. Il n'y a rien dans la baignoire. Je suis sûre que vous le saviez déjà. Il n'y avait aucun de ces systèmes, nous avons déjà cherché. Pourtant, ce serait une bien curieuse coïncidence. Ça se pourrait très bien. Ça existe, les coïncidences. Un avocat prénommé Charlie. Jeanne qui prend des cours de diction. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a d'interphone nulle part dans la maison. Il s'agit d'un accident, madame Colombo. Un accident, sans doute. Eh bien, merci pour votre longue patience. Ah, de rien, c'est dans ma nature. Appuyez encore un coup. Si je m'attendais à ça. Ça a l'air pourtant normal, non? Je vais encore essayer. Ça marche, ça y est! Je l'ai arrangé, moi! Qu'est-ce que je peux faire d'autre, madame Colombo? Faire le ménage. Le courrier. Oh, vous êtes un ange. Je le dirai à mon employeur. Demandez-lui s'il veut que je répare sa sonnette. Surveillez le che, machine. Évitez les sifflants, silencieux. Nécessaire. Opposition. Opposition. Saucisson. Passation. Passation. Possession. Possession. Potentiel. Potentiel. Précision. Précision. Sensation. Voyons maintenant des radios d'essence. Radis. Radis. Déduction. Dédommager. Didactique. Éradication. Diction. Donation. Le cabinet Charles Houston, je vous écoute. Allô, je voudrais parler un petit instant à maître Houston. De la part de qui, madame? Oh, eh bien, de la part de... Madame Martin, c'est une affaire personnelle. Une seconde, je vais le lui annoncer. Oui, madame Martin, que puis-je faire pour vous? Madame,
Ici Charlie Houston. Tu es là, chérie. Jeanne. Oui, madame Martin. Dédicace. Prends ton temps, chérie. Que puis-je faire pour vous? Jeanne, à ce soir. Saucisson. Ici Charlie Houston. Éradication. Madame Martin. Sensation. Martin, ne lui faites pas de mal. Didactique. Elle arrive, attention. Diction. Ne lui faites pas de mal. Potentiel. Martin, elle arrive. Attention. 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 Flexion et pointe, oui. On recommence. Flexion. On se relève. Arrondis le bras. Encore une fois, flexion. On revient. Plus rond le bras. Jeté battu. Allons-y. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. En mesure. 1, 2, 3. Jeté. Jeté. 1, 2 et 3. Plus souple que ça. 1, 2 et 3. Encore une fois. Oui, bien. Toujours bien ferme et souple. Les bras légèrement fléchis. 1, 2 et 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Oui, oui. 1, 2 et 3. En souplesse, voyons, venez, Ginny. Revenez ici. Concentrons notre esprit sur notre art. Oui, madame. Nous reprenons l'exercice. Attention, sans brusquerie. Voilà. C'est ça, j'appelle de la part de mon employeur, monsieur Charles Houston. Oui, il vous a commandé deux interphones qu'il a dû régler déjà avec sa carte de crédit il y a quelques jours. Non, il n'a rien reçu du tout, à part l'avis de débit sur son compte, et il va m'arracher les yeux si je ne règle pas cette affaire tout de suite. Ah bien, en fait, je suis au palais de justice. Oui, monsieur Houston est avocat. Non, je regrette, je n'ai pas le numéro de sa carte, je ne l'ai pas avec moi, non. Ah, mais je peux vous donner son adresse. Oui, Wayside 21189. Dis, tu m'as même pas vu tomber. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Je vous écoute. Si vous devez me recontacter, je serai chez moi au numéro 299. 82 18. Entendu. Et je vous remercie de votre diligence. Tu vas prendre la diligence? Peut-être, oui. Est-ce qu'on va faire les magasins? Toi, tu iras à la maison, j'irai seule. Je l'aurais juré. Tu es bien ma fille, tu sais. Tu es très, très intuitive. Allez, viens. Jenny? Tu m'entends? Ordinateur sidéral, écoute. L'ordinateur sidéral n'a pas rangé son linge comme c'était entendu. C'est la petite souris qui a dû avancer l'heure. Ben allez, descends, dépêche-toi. Elle doit être détraquée, la pendule. J'en connais une autre qui va l'être si tu ne descends pas tout de suite. Bon, j'arrive. Allô? C'est ça, j'écoute. Alors, les deux appareils ont été envoyés il y a plusieurs jours déjà. Sans doute. Oui, entendu, merci. Tu veux qu'on répète un peu, maman? Non, pas ce soir, Ginger Rogers, non. Pas de répétition aujourd'hui. Occupe-toi du linge.
sur coton. Allô, est-ce que je peux avoir le sergent Norris, monsieur? Ah, est-ce que je peux laisser un message? Voulez-vous un peu de café? Oh non, merci. Madame Colombo, je vous remercie d'être venue. Voulez-vous venir par ici? Madame Colombo, je suis Charles Houston. Merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. Madame Colombo. Je ne pense pas vous avoir vu auparavant. Non. Est-ce que j'ai pu faire quelque chose qui vous porte préjudice, madame? Non. Vous habitez dans cette rue, une maison proche de la nôtre, et peut-être vous voudriez... Non! Madame Colombo, je viens de perdre une épouse. Elle est morte dans un tragique accident. Pourquoi tenez-vous tant à me nuire? Lorsque vous avez appelé au sujet des appareils, j'ai questionné M. Houston à leur sujet et je lui ai dit que de votre maison, vous aviez entendu des choses curieuses. Monsieur, Monsieur Norton sur la 2. J'aimerais ne pas être dérangé pour l'instant, pas de coup de téléphone. Sauf si c'est le juge Meyerson, nous avons une affaire dans 10 jours et j'ai besoin de lui en parler avant de partir pour New York. Vous disiez, Madame Colombo? J'ai découvert hier que vous avez acheté 2 de ces appareils. Mais j'ai ces 2 appareils pour les besoins du travail. La secrétaire vous le dira. Nous avons ces appareils depuis un certain temps et jamais ils n'ont été ailleurs que dans ce bureau. Ils sont ici depuis 5 semaines et la secrétaire a confirmé la chose. Je suis désolée, Monsieur Houston, mais j'ai entendu ces voix l'autre jour. Et qui donc serait ce Martin? Pourrais-je le savoir? Je crois que le mari savait que Martin allait ce soir-là tuer sa femme. Et il ne voulait pas qu'elle souffre. Ainsi, vous supposez, sur d'aussi simples impressions, que j'ai pu faire commettre un assassinat. Disons que ce n'est pas vous, Monsieur Houston, puisque vous n'avez pas d'interphone. Sergent, y a-t-il eu des morts ces jours-ci dans le voisinage de Madame Colombo? Non, aucun. Aucun. Madame Colombo, votre nom ne m'est pas inconnu. Je l'ai remarqué, me semble-t-il, dans un périodique assez confidentiel. J'ai vu ce nom au bas de certains articles. Est-ce que c'est le vôtre, madame? Je collabore à un hebdomadaire. J'ajoute que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu. Les personnes de ma connaissance qui font ce métier sont généralement douées d'une très forte imagination. Vous en conviendrez avec moi, n'est-ce pas? Ajoutons à cela une très normale et légitime ambition. Peut-être aurons-nous une explication à ce moment d'incohérence? Écoutez, je tiens à vous dire que je limite mes ambitions en ce domaine aux activités scolaires du quartier. Maintenant, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Je n'ai pas de meilleure excuse pour mettre fin à l'embarras dans lequel je me suis mise. Je le regrette. Monsieur Houston, puis-je encore dire quelque chose? Mais certainement, oui. J'ai appris par le journal que votre femme s'était fait coiffer ce soir-là. C'est exact. Y a-t-il de curieux à cela? Pourquoi est-ce qu'une femme qui sort de chez son coiffeur aurait besoin d'utiliser un séchoir? Elle n'a pas eu l'occasion de me l'expliquer, mais on peut supposer qu'elle a eu ce soir-là de très bonnes raisons. Oui, sans doute, et je ne voudrais surtout pas abuser de votre temps. Je suis navrée et très embarrassée de vous avoir dérangée. Oublions cette histoire. Madame Colombo, imaginez que votre mari ait pu être à ma place. Je ne crois pas qu'il aurait réagi d'une autre manière. Vous le comprenez? Peut-être. Et si vous tenez à le savoir, passez un soir à l'interroger. Vous resterez pour le dîner, il sera ravi. Ah, merci beaucoup. Pour le dîner.
Il est à nouveau en forme, Madame Colombo. Il a repris de la vigueur. Les vitamines l'ont requinqué. C'est le jour et la nuit. La science, il n'y a que ça. Ce chien est sauvé, j'en suis certain. Il a l'air aussi ramolli qu'avant. Ce n'est qu'une impression. Mais il n'a aucune réaction. Il n'a pas tressailli. Écoutez, madame, ce n'est qu'un chien ordinaire. Il n'a rien de Sammy Davis Jr. Mon assistant vous fera porter la note. Mon pauvre vieux. Rentrons à la maison. C'est bien vrai, ça. Tu n'as rien de Sammy Davis. Tu me fais plutôt songer à Buster Keaton. Tout est arrangé maintenant, il n'y a plus de danger, Martin. Et tout a l'air si tranquille ici. On entend jusqu'au bruit des manèges. Je suis sûr que nous n'avons plus rien à craindre de cette Madame Colombo. Quelquefois, j'entends leur musique jusque dans mon appartement. J'adore cette musique. Nous allons devoir être d'une grande prudence, Charles. Ne pas négliger les détails à propos de cette dame curieuse. Nous aurions surtout dû agir avec discernement. J'ai eu le discernement de me choisir un excellent avocat. Mais qui aurait dû penser avant aux interphones, et non pas les sortir de la maison aussitôt après que sa femme... J'aimerais assez ne plus reparler de cela. Alors de quoi devrions-nous parler? J'ai pensé à arranger notre situation actuelle. Vous n'avez pas su arranger seule celle de votre femme, Charles. Madame Colombo connaît mon nom, comprenez-le. Je ne veux plus entendre parler de tuer quelqu'un. Elle sait déjà très bien que l'on a retiré les interphones. Il faut surtout écarter la police pour l'instant. Elle sait ce que Martin a fait. Le policier ne l'a pas suivi sur ce terrain. Que sait-elle d'autre? Elle ne sait rien. C'est ce que vous croyez? Je crois qu'elle en est même arrivée à douter de ce qu'elle dit. Ainsi donc, il n'y aurait plus de danger? Non, plus du tout. Et je suis censé vous croire. Il n'y a plus rien à craindre. Vous êtes effrayant, mon cher Houston. Vous êtes un homme sensible, non? Et je vois que tout cela vous touche beaucoup. C'est vous qui êtes dangereux. Très dangereux. Bonjour, Madame Colombo. Oh, je vous remercie. C'est ici que ça s'est passé? Oui, en bas, là. Oui, j'ai entendu ça à la radio. La police a découvert ce matin, tout près de Los Angeles, le corps d'un avocat très connu, Charles Houston. Il semble que la victime ait mis fin à ses jours volontairement. C'est ce qu'on a dit. Oui, on a trouvé le corps par là, là, juste en dessous. Oh, ça donne le vertige de regarder. Mais ne regardez pas. Alors, vous enquêtez dans cette direction? Quelle direction? Bah, le suicide. C'est-à-dire que on a trouvé la voiture de M. Houston fermée à clé. Alors je l'ai fait ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. J'adore la vanille avec le chocolat, moi. Ah, merci. Excusez-moi.
rien quelque chose? Non, non, rien. Pas de dernière volonté écrite? Non, on n'a encore rien trouvé jusqu'ici et je doute qu'il y en ait. Ouais. Il y a un plan? Moi, je doute qu'il se soit suicidé. Madame Colombo. Charles Houston a parlé hier et en notre présence d'une affaire à régler avant d'aller à New York. Je vois mal pourquoi il aurait dit ça comme ça s'il avait songé un instant à mourir. Je vous ferai remarquer, madame, que ce que pense une personne à 13h et dans un bureau peut différer de ce qu'elle pense au milieu de la nuit, surtout en matière de suicide. Non, rappelons-nous que la mort tragique de sa femme l'a sûrement ébranlée. Pourquoi aurait-il pu avoir des remords pour cet accident? C'est Martin qui a tué Jeanne. Et c'est sans doute Martin qui a tué Charlie aussi. Madame Colombo, je serais fort aise que vous laissiez faire la police. Oui, mais je doute que ce soit un suicide. Et pourquoi, je vous prie? Parce que quelqu'un qui va aller se jeter comme ça au bas d'un ravin pour se tuer ne songe pas à fermer les portières de sa voiture à clé. Madame Colombo, une seconde. Accidenté. Non, c'est la voiture de mon mari. Il est en voyage. Je voudrais lui faire la surprise. Pour une surprise, ça en sera une. Combien ça va coûter? Une révision complète, une capote, d'autres garnitures, les sièges. Qu'est-ce qui s'est passé sur vos sièges? C'est le chien. Refaire la carrosserie. Et changer le rétroviseur. Peinture, ça va chercher dans les... Je compte 5 500 $. Vous dites 5 500 $? Et encore sans compter le rétroviseur. Oh, mais où est-ce que j'irai chercher autant d'argent? Ça coûte les yeux de la tête. Ça fait combien si on ne change pas les garnitures? Et si on ne change pas les garnitures, ça descend de 300 $. D'accord, là, je sens qu'on devient un peu plus raisonnable. On change seulement les garnitures et on oublie le reste. Écoutez, si vous ne prenez que les garnitures, il ne sera plus possible de faire de rabais. Ça vous coûtera 800 $ pour les garnitures seules. Oh, ben c'est pas donné tout ça, hein. Madame, vous avez une voiture étrangère et ça coûte très cher pour les réparer. Alors dites-moi tout ce que vous voulez changer. Ben, la révision, après tous, c'est du luxe, non? On doit pouvoir continuer sans elle. Quant à la capote, regardez-la. Elle est encore en bon état, non? Ça nous laisse seulement la carrosserie, la peinture et chrome. Que voulez-vous qu'on fasse? Ça ira si vous changez le rétroviseur. La pendule. La pendule est détraquée. Je suis une souris électronique. Je suis certaine qu'il est descendu dans votre hôtel. Il fait partie du congrès international. Il m'a téléphoné, il m'a parlé de Londres. S'il vous plaît, oui, merci. Il ne peut pas être très loin. Il y a 2 heures.
Mais pourquoi est-il rentré à New York si tôt? Madame, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi. Oui, je sais. Mais n'a-t-il pas dit à quel hôtel il pensait descendre? Est-ce que vous savez comment s'appelle le policier qui l'accompagnait? Non, non. Oh, je m'excuse encore. J'espère qu'il le fera, oui. Merci. Thank you.
tête de Monsieur Gérard. Je m'excuse de vous déranger. Je vous ai vu passer. Mais qui êtes-vous donc ? Je suis le jardinier. Je sais plus quoi faire ici. Je sais pas si je suis toujours employé. On m'a rien dit à moi. Vous êtes au courant ? Non, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais plus quoi faire. Bien sûr. Le jardinier m'a dit la même chose. Si Monsieur Houston avait seulement un associé, même si son épouse était encore en vie, on me dirait bien ce que je dois faire ou non, mais je n'en sais rien. Faut-il que je classe les dossiers ? Vous êtes resté longtemps chez Monsieur Houston ? Ça va faire 11 ans. En effet. Et là, j'ai l'impression d'attendre que quelqu'un me dise « Rentrez chez vous, Madame Breyer, ce sera tout, merci. » Hélas, personne ne le dit. Rentrez chez vous, Madame Breyer. Ce sera tout, merci. Oh là là! Je vous remercie. Je repense à ce policier de l'autre jour. Ce sergent Norris, je me demande s'il se doutait de ce suicide. Mais pourquoi s'en serait-il douté? La salade a l'air fantastique. J'aurais dû lui parler des nouveaux interphones. Monsieur Houston me les a remis. Il m'a parlé après ça de je ne sais plus quelle affaire, quelque chose comme une sorte de folle qui s'imaginait qu'il avait tué sa femme. Goûtez la salade. Il a apporté les deux interphones après la mort de Jeanne Houston. Et il m'a demandé de dire qu'on les avait depuis longtemps. Vous ne direz pas ça au sergent? Ne vous inquiétez pas, Madame Breyer, je ne dirai rien. Voudriez-vous me faire plaisir à votre tour? Vous êtes la seule à avoir cherché à m'aider, madame. Il m'arrive de travailler pour un hebdomadaire. Et Monsieur Houston voulait aussi me parler d'une de ses relations, une personne qui s'appelle Martin. Il voulait que j'aille l'interviewer. Il n'a pas eu le temps de m'en dire davantage. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui se nomme Martin? C'est son nom ou son prénom? J'avoue que je n'en sais rien. Mais ça peut s'arranger. Vous n'avez rien? Non, et là, je n'ai pas ça dans les notes personnelles. Il y a Martin Reeves, mais c'est notre fleuriste. Non, ça, c'est pas lui. À quand remonte votre fichier client? À moins de 5 ans. Martin Elisabeth, Martin Louise, Martin Kenneth. Kenneth Martin. Oh, il a 14 ans. Il a eu un accident de la circulation. Si on essayait un peu dans la liste des prénoms. Oui, je prends mon carnet. On peut toujours essayer. J'en ai un à 26. Martin Bader. 1401 Océan Avenue. C'est un garçon charmant, croyez-moi. J'étais sûre qu'il était innocent. Il a été acquitté par le jury. Il a été acquitté, mais de quoi? Meurtre. Monsieur Houston l'a défendu le mois passé et il m'a dit... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce n'est pas en ordre. En 11 ans, jamais encore, je n'ai vu une inversion de programme. Mais là, mon ordinateur se mélange un peu les fiches. Vous en êtes sûre? Certaine. Je n'ai rien sur Martin Bader le mois dernier. C'est un procès d'assises. Monsieur Houston, dans ce cas-là, faisait payer les clients d'avance à l'exception de petites affaires sans trop d'importance. Et il n'a rien encaissé de ce client. Est-ce que je peux l'emporter à la maison, celui-là? Oui, si ça peut vous servir, d'accord. Vous croyez que c'est votre Martin? Je suppose que oui, mais je vais aller m'en assurer. Merci de votre obligeance, madame. À bientôt. Madame Colombo. Pourrions-nous encore une fois aller déjeuner ensemble? Oh, j'en serais très heureuse. J'ai eu un grand plaisir à vous connaître.
Allô? Eh bien, qui est à l'appareil? Répondez, qui est-ce? Oui, je sais que votre bureau est déjà fermé, mais j'ai des choses très importantes à dire au sergent Norris. 8h du matin, je sais, mais ce sera déjà trop tard. Bon, alors donnez-moi son numéro personnel. Ça aussi, je le sais, c'est pas dans le règlement, je connais. Non, madame, je le lui dirai en personne. Je ne dirai ces choses-là qu'au sergent Norris. Alors, d'accord, essayez, s'il vous plaît, de l'appeler madame Colombo. Quoi? C'est ça, merci, oui. Mais oui, il a mon numéro, bien sûr. Mais dites-lui surtout de ne pas tarder, c'est urgent. Tu crois qu'il sera rentré demain soir à cette heure-ci? Je n'en sais rien, chérie. Je sais qu'il va essayer. Alors, je suis sûre qu'il va réussir. Sergent Norris? Avez-vous enfin pu le joindre, madame? Je vous en prie, c'est important. C'est ça, je suis chez moi, j'attends. Qu'il m'appelle dès son retour, je vous remercie. J'ai dit que j'avais du travail et que je ne voulais pas être dérangé. J'en ai pour une petite heure. Monsieur Alden, c'est Kate Colombo. Écoutez, madame Colombo, je suis très occupé. Mais c'est très important, je vous assure. Il est près de 3h du matin, vous le savez. Je sais, mais écoutez, il y a eu un meurtre, deux meurtres. Alors faites-moi 300 mots pour jeudi.
Écoutez, ça n'est pas un sujet d'article, je suis mêlée à ces meurtres. L'assassin sait que je le connais, comprenez-vous? Et je suis seule à la maison avec la petite. Bon, écoutez. Prenez la gosse sous le bras et venez me rejoindre au bureau. Venez sans perdre une minute. Vous avez entendu? Tout de suite. Oui, oui, j'ai entendu. Madame Colombo, j'ai tenté en vain de joindre le sergent Norris et je n'ai pas le temps de dire deux fois ce que je vais dire. Je vous le dirai qu'une seule fois. Je n'ai pas le temps de donner d'explications. Dites à Monsieur Norris que je sais qui a tué Jeanne Houston ainsi que son mari. C'est un nommé Martin Bader. Et dans la nuit tout à l'heure, il a enlevé ma fille Jenny. Il l'a enlevée dans sa chambre. Elle est toute seule avec cet homme. Je crois qu'ils sont chez les Houston. Je compte y aller. Qu'ils viennent aussi m'y rejoindre. Vite, j'ai besoin d'aide. Thank you.
je suis une souris électronique. Martha. Je suis un ordinateur, une souris électronique. La petite souris a avancé l'heure. Moi aussi, j'entends tout ce que vous dites à la maison. Jenny a été enregistrée. Elle n'est jamais entrée ici. Un enregistrement. Alors, où est-elle? Elle doit être en chemin. Elle doit rentrer de l'école où j'ai déposé. Elle est peut-être déjà rentrée. Je dois dire qu'elle n'avait pas si peur que vous, chère Madame Colombo. Ne soyez pas si effrayée. Je me suis montré très prudent, je vous le jure. Je suis sûr qu'elle n'a pas pu voir qui j'étais. Jenny! Jenny! Est-ce que tu m'entends? Jenny, est-ce que tu m'entends, Jennifer? Est-ce que tu es dans ta chambre? Maman! Mais où es-tu? Je t'ai cherché partout. Bon, c'est terminé. Alors, vous allez me tuer, n'est-ce pas? J'y suis obligé, oui. Dame qui voulait jouer les détectives et enquêter sur un meurtre imaginaire s'est rendue en pleine nuit sur les lieux de l'assassinat. Elle a dû tomber en se prenant le pied dans le tapis de l'escalier. Elle s'est brisée la nuque. Le gaz? Le gaz? Pourquoi? Pourquoi? Dans la cuisine, quand je suis entrée, j'ai cru que ce serait un moyen de faire une explosion. Quelque chose pour que la police vienne à mon secours. Voilà, je savais que vous seriez là. Une explosion de gaz plus le corps d'une personne étrangère. La police aurait sûrement fait une enquête. Thank you.
circulation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme poids lourd surtout? Un coup au cœur. Quand il saura que je suis détective.